Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez.
Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce lundi 16 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un magnifique week-end. Alors, on se retrouve avec bien notre bel archange Métatron, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai pigé symptômes de l'éveil spirituel. Mais avant tout, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer, de retrouver, votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Alors, soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Cette carte que j'ai pigée aujourd'hui est la réponse peut-être à vos demandes, à vos prières. Et oui, les archanges et les anges, ils vous entourent. Et oui, vous faites partie de leurs messagers. Malgré les divers symptômes spirituels qui vous affectent, n'est-ce pas, la plupart du temps, vous vous sentez bien et vous en percevez que le positif. Vous avez changé, pour certains d'entre vous, vous avez changé votre perception de la vie. Votre ressenti, il est plus fort, il est plus grand, et votre intuition, elle est plus aiguisée. Et vous êtes désormais très, très, très créatif. Tout cela vous apporte énormément dans votre vie. Il se peut que vous ayez parfois du mal à décoder, certains de vos ressentis. Mais ne vous en faites pas, n'est-ce pas? Continuez de les développer. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez besoin d'un guide, angélique ou humain, peut-être pour vous aider à comprendre, certains aspects de votre cheminement spirituel. Vous avez peut-être du mal à voir ce cheminement, à le comprendre. Soyez sûr, soyez certain, et ayez confiance en votre intuition, qui votre intuition vous guidera vers la bonne personne. Et si ce n'est pas une personne, vous pouvez faire vous référer à votre ange physique, ou à votre ange émotionnel, ou encore à votre ange intellectuel. Et si pas, nous avons ici la joie avec ce bel archange Métatron. Cela peut aussi dire, cette carte, que vous aurez peut-être une vision prémonitoire. Soyez à l'affût de cette vision prémonitoire, parce qu'elle vous indiquera beaucoup de choses dans les questionnements que vous vous posez. Ça sera peut-être des mémoires de vos vies antérieures qui vont peut-être refaire surface. Il se peut que vous ayez besoin de les libérer. C'est le bon moment. C'est le bon moment de libérer vos mémoires de vie antérieure.
Il se peut que pour certains d'entre vous, eh bien, que vous fassiez bientôt un voyage astral conscient qui vous mènera dans une autre dimension. Et là, eh bien, vous allez percevoir et voir des choses qui vont vous faire comprendre votre cheminement et ce que vous avez peut-être vécu dans une autre vie. C'est encore un superbe message, n'est-ce pas, de notre bel archange Métatron. Et je terminerai par l'énergie de guérison, n'est-ce pas, transformation. Eh bien, je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Et je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Et je terminerai, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. N'oubliez pas que tout passe par la pensée. Merci de votre écoute, on se retrouve demain pour un nouveau message avec notre bel archange Métatron. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. À demain.